Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 mars et je lance mon concours pour mes 300 abonnés. Bon, je suis plutôt à 357, mais bon, voilà. C'est pour mes 300 abonnés à la base. Donc du coup, je voulais vous remercier à ceux et celles qui sont toujours là et aux nouveaux arrivants. Parce que ça me fait plaisir, je suis contente. Et du coup, je voulais vous remercier en lançant un nouveau concours. Alors, je pense que j'ai commencé à faire quelque chose. Donc, je vais vous montrer. Mais c'est juste le contenant. Donc, du coup, alors, je vous explique juste les modalités. Donc, en fait, le concours, il faudra m'envoyer quelque chose, un petit quelque chose. Ce que vous voulez. Je sais pas, une memory dex, un embellissement. Pas besoin de m'envoyer un gros carton. Hein. Juste un petit quelque chose, comme ça, que ça passe en lettres. C'est nickel. Et donc, vous aurez jusqu'au 23 avril pour me l'envoyer. Et du coup, vous pouvez m'envoyer n'importe quel thème. Après, vous connaissez ce que j'aime et mes couleurs. Et pour ceux qui viennent d'arriver, donc mes couleurs fétiches sont le rose, le gold et le mint. Voilà, c'est pas difficile. Hein. Après, si vous n'êtes pas dans ces tons-là, quelque chose de rose, je pense que vous pouvez trouver. Ça me fera plaisir. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai été grave inspirée. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître, mais je pense, pour celles qui ont vu ma vidéo haul que j'ai postée il n'y a pas longtemps de Action, j'ai acheté cette petite valise, cette petite boîte. Elle est trop chou. Donc je l'ai fait avec la collection Happy Heart que je vous avais montré aussi en vidéo de Simple Stories. Mon collection de Saint-Valentin. Du coup, je vous redonne les dimensions de la boîte, si vous voulez. Elle fait 13,5 et de hauteur 6 cm. Et là, 9,5. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une petite valise. Petite lanière en simili, quoi. J'adore. Alors, du coup, je vous montre de plus près. Donc, là, j'ai utilisé un dies. Celui-là aussi, des dies que j'ai reçus dernièrement. J'adore des rosettes. Là, des rosettes. Là aussi, une petite rosette. Donc là, nous avons un cœur en checker. Où j'ai cousu le contour. Hop. Donc là, c'est un tag avec deux petits charmes. Un die cut. Là, il y a un petit peu fibalon. Et là, c'est une pellicule en checker. Donc, c'est mon petit dies case craft. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Oui, avec la collection inconditionnelle de Rosie. Donc, c'est le même dies. Donc, voilà. Donc, du coup, comme vous avez vu, pour l'instant, elle est vide. Donc, je la remplirai, je ne sais pas encore de quoi. D'embellissement, de goodies. Là, on voit mieux. Donc, il y a un petit charme. Il y a deux petits charmes, une petite clé.
Donc voilà, donc si vous voulez avoir cette jolie boîte, moi je l'adore. Et ben n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que vous voulez participer. Vous pouvez, je vous mettrai mon email pour me demander mon adresse, ou vous pouvez me demander sur Instagram. Donc voilà, donc c'est pas, voilà, pas trop compliqué, hein. Donc voilà, je vous répète tout. Donc vous avez jusqu'au 23 avril pour m'envoyer votre participation. Donc du coup, je pense que ouais, 23 avril, une semaine ou 2 semaines après, je ferai le tirage au sort. Vous m'envoyez ce que vous voulez, un petit quelque chose. Et voilà. Donc le lot à gagner. Vous m'envoyez un message sur mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos ou sur Instagram. N'hésitez pas à vous. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regarde ma vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aussi à vous abonner sur mon compte Instagram, donc blog DIY de Lolo972. Ça me fera plaisir. Et donc j'espère que voilà, ma boîte, vous l'aimerez. Donc c'est l'aperçu. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous continuerez toujours à me suivre. Et je vous dis à bientôt. Donc, au revoir!